Alors bonjour à tous et bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver. Alors pas de montage aujourd'hui, j'ai pas eu le temps cette semaine, j'ai eu beaucoup de boulot. J'avance sur le MATV, mais là j'en suis à je crois 10 ou 15 minutes de vidéo, donc ouais 10, plutôt 10. Voilà, donc pas assez pour sortir une vidéo. Je vais attendre de progresser un peu pour pouvoir vous fournir une vidéo d'au moins 20 minutes. Voilà, vous retrouverez le montage la semaine prochaine, je la sortirai peut-être pas vendredi, peut-être en milieu de semaine, si je vois que je suis bon, quoi, que je suis au moins à 20 minutes. Okay. Voilà. Pour les autres montages, je vais vous expliquer. Donc c'est un petit vlog, on n'a pas fait de vlog depuis longtemps, on n'a pas fait au mois de mars, je crois, ni au mois de février, peut-être au mois de février, je ne sais plus. Enfin, bref, on n'a pas eu le temps. Là, on arrive fin avril, donc voilà, une petite récap sur la chaîne, et puis les news, etc., et ce qui se passe, et les patatis. Alors avant toute chose, avant de commencer ce vlog, dans la dernière revue de boîte que j'avais fait, le fameux sous-marin d'Asverk, la Première Guerre mondiale, j'avais à la fin, au moment où je rangeais les décales, chanté une petite chanson en disant « Celui qui trouve le titre, eh ben, il gagne un petit truc, un petit lot. Okay. Donc le premier qui me met dans les commentaires, ça, il gagne un petit truc. Et puis, alors voilà, on écoute là. Monsieur Clémenceau, vos petits cas sont devenus des héros. Bref, voilà, on a vu la voix impeccable. Bref, le premier qu'a trouvé, là, je mets son commentaire, c'est Stéphane Tessier. Donc Stéphane, bravo, t'as trouvé tout de suite, c'est toi qui as répondu tout de suite. Après, tout le monde a trouvé, tout le monde a marqué, mais c'est toi qui l'as trouvé en premier. Donc le colis est déjà parti ce matin, j'ai fait vite. Donc tu vas recevoir une 6GLC, toute neuve, hein. Hein, tu vois, c'est ce genre de petite boîte là, avec dedans la petite scie qui va bien et tout, avec les lames de rechange. Et puis je t'ai mis 2-3 bricoles pour que tu testes. Je t'ai mis un petit pot de pigment VMS et puis une autre petite bricole, tu verras bien. Voilà. Des petits tests. Ah, un anti-slip, tu sais, le petit truc anti-slip pour mettre sur les chars là, de chez AK. Ok, voilà. Tu testeras, tu diras ce que tu en penses. Voilà, donc tu vas recevoir ça, bah, je sais pas, lundi, mardi, peut-être mercredi, si le facteur est fatigué, tu vois, mais normalement lundi, mardi. Ok, voilà, allez, on passe à la suite. Alors, en ce qui concerne les montages, comme vous pouvez le voir, là, il y a le MATV. Donc, le MATV, pour l'instant, j'en suis à 3 vidéos, comme vous le voyez, c'est pas mal, 9881 vues, pour 3 épisodes seulement, c'est plutôt pas mal, il y en a encore plein d'autres. Celui-là, ça, il va nous pousser jusqu'à la fin de l'année. Ok, maquette très complexe, très longue à monter, plein de petits détails à peindre, à coller, donc c'est beaucoup de boulot. On a ensuite la série du P-47 au pinceau, un avion donc entièrement au pinceau, donc vous le voyez là, 20 076 vues, c'est plutôt pas mal, il y a 3 épisodes pour l'instant, le premier épisode c'était une présentation un peu du projet, là aussi beaucoup de succès, beaucoup de commentaires positifs, donc c'est vachement, je suis vachement content. Et puis ça aide surtout beaucoup de débutants, hein. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de débutants, ils n'ont pas encore acheté d'aéro, ou ils hésitent, ou ça leur dit rien, ils ont envie de continuer au pinceau. Voilà, là ça leur fait une série qui va leur être utile, j'espère. Et puis on termine la série des montages avec les deux rafales, donc le B et le C, que je monte en même temps. Donc là on a fait voilà 3 épisodes aussi, 12 670 vues, c'est plutôt pas mal. Et puis là aussi beaucoup de succès, et puis beaucoup de commentaires positifs, etc. Donc ça c'est chouette. Alors les stats un peu plus pures, quoi, disons, ce qui ne concerne pas les montages, là vous avez le top 10 des vidéos. Ce sont les vidéos qui sont les plus vues sur ma chaîne, depuis la création de la chaîne. Donc, vous voyez la première, 104 000 vues, on a dépassé les 100 000, c'est plutôt pas mal. La vidéo sur l'aérographe, là. Celles qui suivent, elles sont bien placées aussi. Pas dans le top 10, mais bon, bien placées aussi. Et puis après, ma première vidéo que j'avais fait pour la peinture au pinceau. Et puis, comme vous le voyez, d'autres, le décal, etc. La moto, c'est un hasard, parce qu'à l'époque où je l'ai montée, on ne savait pas que Tamiya allait ressortir une boîte de la même moto, mais avec une autre peinture, une autre livrée, en quelque sorte. Et comme je l'avais fait sans... Je parlais pas, quoi, ouais, c'était que le montage. Et ben, elle a été vue pendant 2-3 jours aux États-Unis là-bas, et du coup, de 8000 vues, elle est passée à 41000 vues en 2 jours. Tu vois, bon, les types ont dû être déçus parce que c'était pas la bonne maquette Tamiya, parce que s'attendaient peut-être à voir la dernière, mais bon, voilà, 41000 vues. Donc, là, voilà, les vidéos, ça se passe plutôt bien. Là, elles sont depuis longtemps sur le serveur, donc la première, là, vous voyez, 2017, donc ça va faire 3 ans, bientôt 4. Donc évidemment, elles chopent des vues. Celles que je viens de faire récemment, elles ne sont pas dans le top 10, parce que pour arriver dans le top 10, il faut un peu de temps, quoi. Et là, c'est le top 10 par pays.
Voilà. Qui regarde le plus Plastic Dream, donc voilà, la France, évidemment, la Belgique, évidemment. Et après la Suisse, Canada, Espagne, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Japon. Il y a quand même 15 000 vues au Japon et 15 000 vues en Italie. Et après, je crois que c'est les Émirats Arabes Unis. Après, il y a le Maroc aussi, qui est pas mal placé. C'est pas mal. Ouais. Il y a beaucoup de monde, le monde de la francophonie. Quoique au Japon, il doit y avoir quand même pas mal de Français. C'est peut-être pour ça qu'ils regardent les vidéos. Alors, les futures sorties vidéo sur Plastic Dream, très bientôt. Dimanche, là, on est vendredi. Dimanche, je vais vous parler de ça. Yes, je le montre bien. Voilà. One Man, ici plutôt. One Man Army. Une nouvelle boîte qui fait des masques extra. Ok, et puis Made in Belgium, hein, c'est une boîte belge, donc moi ça me fait vachement plaisir de faire un test et puis de regarder tout ça. Donc allez pas encore voir sur Passion 132, c'est Passion 132 qui va distribuer la marque, parce qu'il a reçu les planches aujourd'hui, et il va les mettre en stock, enfin sur le logiciel du site, donc pour que vous puissiez les commander demain matin. Donc dimanche, je fais une revue là-dessus. Elle sortira dimanche matin et puis il y aura un petit code promo pour avoir une petite promotion sympa. Donc voilà, ça c'est la prochaine vidéo sur Plastic Dream. Les prochaines revues, alors on va faire très prochainement celle-ci. Voilà, voilà, voilà. Le Su57, ça sera mercredi prochain. Après, il y aura le Typhon, le mercredi d'après. Et puis en fin de mois, il y aura celle-ci. Donc l'IL2, pardon, Sturmovik de chez Zvezda. Pareil, on va faire une revue de boîte complète. C'est pour l'instant les deux revues du mois de mai. Enfin, avec le Typhon, ça fait trois. Et puis voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses à voir ensemble au mois de mai. Alors, à partir du mois de mai, juin, il va y avoir une petite baisse de sortie des vidéos de montage parce que bah, j'attaque un nouveau boulot, là, le lundi 3 mai. Donc, c'est normalement mon dernier poste avant la retraite. Donc, je vais être là 3 ou 4 ans. Et après, retraite. Très bien. Donc voilà, ça, je vais consacrer un peu plus de temps à la cuisine et au boulot et tout ça. Donc j'aurai un peu moins de temps à monter et faire des vidéos, tout ça. Voilà, elles sortiront un peu plus espacées, quoi. Disons, peut-être pas tous les vendredis, peut-être un vendredi sur deux. Je parle des vidéos de montage, parce que les vidéos de revue, ça va assez vite. Parce que je peux me renseigner quand quand j'ai mes pauses au boulot, je peux me renseigner sur la maquette déjà, lire des trucs, machin. Hein. Et après, quand j'attaque la vidéo, c'est les 2 heures. Voilà, je la filme d'une traite, au montage, 1 heure, bon, hein, hop, ça va relativement vite. Les vidéos de montage, c'est très très long. Ok, donc là, ça prendra un peu plus de temps, peut-être un vendredi sur deux. Juillet, août, c'est un peu repos. Alors, je sortirai quelques vidéos, mais ça sera plutôt repos. Et puis ensuite, septembre, on repart comme en 40, comme dirait l'autre, pour finir. Alors, le P47, il sera certainement terminé en septembre. Donc, de septembre à décembre, j'aurai le MATV et les Rafales. Mais entre deux, j'en profiterai pour terminer le fameux BF-109, là, qu'on avait commencé ensemble, le 1-32, vous savez, qu'on avait commencé ensemble lors d'un confinement, du troisième confinement. Et puis, s'il est terminé avant fin décembre, on continuera ensemble aussi en vidéo le Black Hawk. Okay, bon, là, il est peut-être pas à la moitié, un peu moins, 40%. J'ai encore pas mal de montage et de peinture à faire. Mais j'aimerais bien, comme objectif, avoir terminé tout ça fin décembre. Alors, à propos des souscriptions à la chaîne, à la demande générale, on m'en avait parlé beaucoup. On avait parlé dans un direct, puis on m'en avait reparlé sur Discord. On m'en avait reparlé dans des messages que j'ai reçus, des emails. Donc, j'ai fait là, ça y est, j'ai mis en place. Donc, si vous voulez devenir membre de la chaîne, on va faire un petit récap des souscriptions. Alors, la première souscription, la moins chère, 2,99€ par mois. Alors, je vous signale juste, vous voyez, c'est écrit ici, là, au milieu, vous recevez 70% des revenus. Sur toutes ces sommes que je peux recevoir, je ne touche que 70%. Et YouTube touche 30%. OK ? Voilà. Donc, la moins chère, c'est la souscription basique, 2,99€. Ça vous donne droit à un badge de fidélité, bon, ok, d'accord, et ça vous donne droit à l'accès au chat un dimanche sur deux, pendant les fameuses messes, là, un dimanche sur deux, le matin, alors souvent le matin, quelques fois l'après-midi, souvent le matin, mais sur mon site, et puis sur la chaîne YouTube, j'annonce avant, hein, l'heure, pour que vous soyez présent si ça vous tente, ok. Ensuite, j'ai mis en place une deuxième souscription, celle à 4,99€, alors ça vous donne droit à tous les avantages basiques, plus une fois par semaine une vidéologue de l'atelier Plastic Dream. C'est-à-dire que là, quand je monte, toutes les semaines, je monte
souvent, hein, dans la semaine, je filme des petits bouts, des petits machins, discussions. Alors c'est des vidéos informelles, je les travaille pas autant que mes vidéos de montage avec le super son et des trucages et des malins. Non, je filme comme ça, je mets même pas de musique derrière, de façon à ce que je puisse maintenir le rythme et puis en sortir vraiment une par semaine et que ça me prenne pas des heures et des heures de montage. Ok, et ben voilà, vous aurez un aspect quand je reçois un colis, quand je range ici 2-3 bricoles, 2-3 idées, enfin voilà, vous recevrez ça en plus, une vidéo par semaine, et puis voilà. Et ensuite, alors la fameuse voilà, souscription Gold, 14,99€ par mois, ça va vous donner le droit, donc tous les avantages précédents, donc tous les avantages basiques, tous les avantages premium, et vous avez là en plus des petits cours privés. Un cours privé en petits groupes. Alors je vous explique comment ça se passe, c'est assez simple. On va faire des groupes de 3 ou 4, maximum 5. Pour pouvoir participer à ces cours, il faut que vous ayez une caméra, évidemment, comme moi là devant, une caméra, et puis le son, un micro. Alors généralement les webcams, il y a un micro dedans. Bon, ok. Et que vous ayez ce système de caméra dans votre atelier. Parce que quand je vais vous montrer une chose, ou quand vous allez faire quelque chose et puis que je vais vous regarder, que je puisse vous répondre, etc. En montant. Voilà. Ok. Voilà. Alors, on fera des petits groupes suivant les thèmes. J'ai mis en place un Discord spécial réservé aux membres Gold, donc il n'y aura que les membres Gold dessus, et on préparera à l'avance le prochain atelier. Voilà. Ok. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés, ils participeront à l'atelier. Yes, ils participeront à l'atelier. Ceux qui sont moins intéressés, s'ils veulent juste le regarder, je le mettrai après sur YouTube avec. Et puis ceux qui ont l'inscription Gold, ils pourront la regarder. Ok, voilà. Mais maximum 4, 5, 3 c'est bien, 4 c'est bien, 5 ça commence à. Parce que beaucoup de monde, tout le monde a des questions à poser pour que ça soit bien interactif et qu'on puisse bien apprendre et bien échanger. 3 ou 4, c'est parfait. Alors s'il y a beaucoup de membres Gold et puis qu'il faut faire 3 ateliers identiques, parce qu'il y a 9 personnes qui sont vraiment intéressées par tel atelier, j'en fais 3 de suite. Hein, c'est pas grave, le même atelier. Mais c'est vraiment important de faire 3 ou 4, comme ça, voilà, déjà c'est plus, enfin, pas plus convivial, mais un peu. Voilà. Et puis chacun peut poser des questions et puis on s'entend bien. Enfin tu vois, il n'y a pas d'histoire de son, parce que là, à distance, si j'ai 5, 6, 7 personnes en ligne, je vous raconte pas et que tout le monde parle en même temps et que tout le monde veut poser ses questions, et ça va être compliqué. Et là, ça fait quand même une belle petite somme, 14,99€ par mois. Donc je veux que vous en profitiez un maximum, enfin que ça vous soit vraiment, vraiment utile et que ça vous fasse vraiment, vraiment progresser, plutôt que de participer à un truc où on est 10, 15, et puis vous n'avez pas le temps de poser des questions, trop de bruit, trop de machin, voilà, 3, 4, ok. Donc pour l'instant, j'ai mis en place ça il y a 2 ou 3 jours, là. Il y a déjà quelqu'un qui s'est mis Gold, donc là il a de la chance, il est tout seul, donc premier atelier, il va être un atelier à lui tout seul, enfin, voilà. Et on fera suivant des thèmes, ben voilà, le décal, la PE, poste de cils, les pigments, le vernis, le patati, le patata, essayez de choisir quelque chose qui vous aide dans le moment sur la maquette que vous êtes en train de faire. Voilà. Si c'est le masquage, par exemple, d'une verrière, bon, j'ai sorti un tutoriel il n'y a pas longtemps, mais s'il y a des trucs, des interrogations encore, où vous n'y arrivez pas, ou etc., etc., ou la peinture à l'aéro, premier coup de jet d'aéro sur une maquette, la dilution, vous n'êtes vraiment pas sûr, patati, patata, c'est là-dessus qu'il faut demander un atelier. Donc si vous me demandez un atelier de ce style-là, par exemple pour la peinture, première pulvérisation à l'aréographe, très bien, moi je préparais mon petit truc, j'ai des maquettes de test là. Voilà, je vais vous montrer, on va discuter ensemble, vous allez poser toutes les questions que vous voulez en vidéo, et puis ensuite, c'est vous qui vous le faites, et puis moi je vous regarde, puis je vous dis, attends, mets un peu plus de trucs là, mets un peu plus loin ton aéro, essaye de, voilà, et puis petit à petit comme ça, voilà. Et si vous êtes tout seul, je fais un atelier pour vous tout seul. Si ça intéresse un autre membre Gold, un deuxième membre Gold, 3, 4 maximum, on fait un petit groupe. Et puis, alors, le cours vidéo se passe sur Discord. Et vous allez voir, sur Discord, c'est plutôt pas mal. La qualité vidéo est plutôt pas mal. Il y aura un petit temps de réglage au début, parce que je vais vous expliquer, sur Discord, il y a un moyen de mettre moi, ma vidéo, de celui qui parle, celui qui montre. Sa vidéo est en grand, et les autres, on voit que les petites vidéos. Et puis quand c'est un autre, je vais regarder ce que fait un tel. C'est lui qui passe en grand écran. Il y a 2-3 petits boutons, mais je vais vous expliquer ça en vocal. Ça va prendre 10 minutes. Quand vous serez habitué, vous allez voir. Discord, c'est vraiment génial pour ça. Donc là aussi, voilà, 14,99€, ça fait une belle somme.
c'est pas. Vous pouvez bouger entre les souscriptions. Hein. Vous pouvez être basique, par exemple, pendant quelques mois, puis vous avez besoin d'un gros coup de main, vous attaquez une grosse maquette, ou vous avez un peu de temps, je sais pas quoi, bah vous passez en gold pendant un mois ou deux, et puis une fois que vous avez compris le truc, c'est bon, vous repassez en basique, etc. etc., etc. Donc vous pouvez bouger. Donc voilà. Moi je veux vraiment 14,99€ que vous ayez quelque chose de que ça vaut le coup, que vous ne regrettez pas. Quoi. Voilà. Pour 14,99€ aussi, souscription gold, vous avez donc accès au Discord. Et moi, le Discord, je l'ai sur mon téléphone 24/24. Donc, si vous m'envoyez une question à 2h du matin, je risque de mettre un peu de temps à vous répondre. Mais enfin, en gros, si c'est dans la journée, voilà, quelques temps après, je vous envoie au moins une première. Si je dois vous montrer un truc en photo sur mon PC que je suis au boulot, bah, je vais vous donner une réponse texte en vous disant, bon, attends que je rentre du boulot, je t'enverrai une photo ou je t'enverrai un truc. Si je suis ici à l'atelier, je vous réponds en priorité. Vous êtes en haut de la liste, question priorité pour les messages. Donc vous aurez une réponse, il n'y a pas de souci. Alors un petit mot sur les forums du club Plastic Dream. Vous avez peut-être vu, ceux qui veulent s'y inscrire pour le moment, les inscriptions, les inscriptions sont clos pour l'instant. Ok, parce que le club là est en plein changement, etc. Ça prend beaucoup de temps à l'équipe d'administration et aux modérateurs. Ils sont vraiment 100% concentrés sur le sujet. Donc là, mai, juin, juillet, août, on a fermé les inscriptions. Peut-être aussi septembre, on est heureux. Dès qu'on va les réouvrir, de toute façon, je referai une vidéo pour vous mettre au courant. Le forum était déjà extrêmement qualitatif. Alors, quand je dis qualitatif, je parle en termes d'usage et de praticité, des choses comme ça. Voilà. Pas en termes de maquette. C'est vraiment un forum pour les débutants. Donc, si vous êtes débutant, vous n'avez jamais monté de maquette, pardon, ce forum est fait pour vous. Hein. Quand je vous dis qualitatif, c'est voilà, la rapidité du forum, la facilité de poster des images et de participation, etc. L'ambiance, c'est vraiment un truc top. Donc voilà, dès que ça va réouvrir, je vous ferai une annonce. Pour l'instant, ben voilà, je voudrais aussi adresser mes encouragements à l'équipe d'administration et puis surtout aux modérateurs et à tous ceux qui bossent en arrière-boutique hein, pour que ça s'améliore tout ça et puis proposer de nouvelles choses, etc. Merci à vous et puis je donnerai régulièrement des news sur l'avancement des choses et puis notamment des inscriptions, ce qui vous intéresse le plus j'imagine. Et puis voilà. Alors comme certains d'entre vous ont pu le voir, j'ai pu tester en ligne, en direct, un système pour qu'on puisse être à 2 ou à 3 ou à 4 dans la vidéo. J'ai fait un test avec mon ami Sylvain de la chaîne YouTube Mister Plastic Kit où on a fait une ou deux indirects. Le premier compte pas, je l'ai effacé, c'était pour voir. On a fait un direct ensemble. Voilà, sa tronche, la mienne, et puis on parle tous les deux, le chat, etc., et on peut discuter ensemble, donc c'était plutôt un test concluant. Donc voilà, pour la rentrée, moi je suis content, en septembre, on va pouvoir commencer un tas de petites choses, avec une fois avec Mister Plastic Kid, Sylvain, peut-être une fois Jean-Paul, peut-être une fois Emilio, pourquoi pas, peut-être d'autres. Bref, on fera comme ça. Alors, soit on discutera d'un sujet, soit on simplement une rencontre comme ça, sympa, en direct. Ça sera toujours lors des directs et avec toujours le chat à côté, donc vous pourrez poser vos questions. On pourra parler de voilà, plein de trucs. Il y a juste à mettre ça au point. Mais maintenant que je sais que le système fonctionne bien, donc voilà, c'est rassurant. Moi, ça me plaît pas mal. Alors voilà, t'as un rapide vlog, mois d'avril. J'essaierai d'en refaire un avant les vacances, avant fin juin. Ok, pour vous donner un peu de news. D'ici là, portez-vous bien, maquettez bien, prenez toujours autant de plaisir à coller du plastique. Ok, et puis on se retrouve très 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 prochainement. A plus, ciao.